Au début du premier millénaire, à la fin de la période Heian, l'empire du Japon est morcelé de tensions. La noblesse de cour perd peu à peu son emprise sur le pays, et même le très puissant clan Fujiwara voit sa splendeur faner. Ils sont supplantés par de nouveaux nobles qui s'appuient sur des armées privées formées dans les provinces et dont ils ont pris le contrôle, les samouraïs. Dans les années 1100, deux clans se disputent le contrôle du pays, les Taira et les Minamoto. C'est de cette famille qu'est issu le personnage dont nous allons parler aujourd'hui, Minamoto no Yoshitsune. Yoshitsune fait partie de la branche Seiwa, tout comme Minamoto no Yoshiie, qui est donc l'un de ses ancêtres. En 1160, soit un an après sa naissance, son père Minamoto no Yoshitomo meurt aux côtés de Fujiwara no Nobuyori, suite à un soulèvement raté visant à renverser l'empereur en place, ainsi que l'empereur retiré. L'empereur retiré est un terme désignant un ancien empereur qui abdique en faveur de son successeur, mais qui continue d'exercer un certain pouvoir tout en étant moins contraint par les intrigues de cour. Pendant la période qui nous intéresse, c'est Go Shirakawa qui occupe ce poste, depuis 1158 jusqu'en 1192. Minamoto no Yoshitomo, donc, est tué. Il en va de même pour deux de ses fils, Tomonaga et Yoshihira. Taira no Kiyomori, le général qui a maté la rébellion, décide cependant d'épargner les plus jeunes enfants de Yoshitomo, et les voilà dispersés aux quatre vents. Le clan Minamoto vient de subir un revers magistral. Kiyomori peut maintenant s'occuper du renforcement de son clan auprès de la cour impériale. Taira no Kiyomori est à l'apogée de sa puissance. Il a une armée puissante, contrôle le commerce maritime avec la Chine et atteint même le rôle de Daijo Daijin, c'est-à-dire premier ministre de la cour. Il en profite pour marier l'une de ses filles à l'empereur Takakura, qui donne naissance à un enfant, Antoku. Taira no Kiyomori met alors la pression sur Takakura, qui abdique en faveur de son fils âgé d'un an. Antoku ne pouvant pas régner pour des raisons évidentes, c'est donc Taira no Kiyomori qui devient le régent. L'empereur retiré Go Shirakawa, qui avait demandé l'aide des Taira contre les Minamoto, commence à trouver Kiyomori trop invasif. En 1177, il tente de fomenter un complot contre Kiyomori, mais échoue. Cela mène à l'exécution de certains nobles, à l'arrestation de Go Shirakawa, ainsi qu'à l'abolition du statut d'empereur retiré. Le prince Moshihito, l'un des enfants de Go Shirakawa, lance un appel aux ennemis des Taira à se soulever contre eux. Le premier à l'entendre est Minamoto no Yorimasa, mais ce dernier est défait à la bataille de Uji. Il se fait seppuku, et le prince Moshihito est tué par les Taira avant même qu'il n'ait pu rassembler une armée. L'appel n'est pas mort pour autant. Minamoto no Yoritomo, l'un des fils de Minamoto no Yoshitomo, décide de sortir de son exil pour détruire les Taira. Il subit une première défaite durant la bataille d'Ishibashiyama, le 14 septembre 1180, et rejoint Kamakura, ville historique des Minamoto, pour en faire son fief. Là, il se reconstruit patiemment une armée pour la lancer contre les Taira. Yoshitsune, qui a été élevé dans un monastère dans les montagnes, décide de rallier son frère dans sa lutte. Ils sont rejoints par leur troisième frère, Noriyori. Parallèlement à tout ceci, leur cousin Minamoto no Yoshinaka, qui préfère porter le nom de Kiso, ses montagnes natales, lève une armée et répond lui aussi à l'appel de Moshihito. Le 2 juin 1183, il remporte la bataille de Kurikara face aux Taira et marche sur Kyoto en août. Le clan Taira fuit la ville, emportant avec eux l'enfant empereur Antoku. Malheureusement pour lui, malgré cette victoire éclatante, Kiso Yoshinaka ne parvient pas à soumettre les Taira qui se replient dans leur fief. Go Shirakawa, qui l'a pourtant fait revenir à Kyoto, commence à trouver la présence de Yoshinaka et de ses troupes gênantes. Il demande donc à Minamoto no Yoritomo de débarrasser la ville de son cousin. Ce dernier, qui voit une bonne occasion d'asseoir sa position de chef du clan, envoie Yoshitsune régler le problème. Minamoto no Yoshitsune force donc son cousin à sortir de Kyoto. Leurs forces se rencontrent près de la rivière Ujigawa, le 21 février 1184, lors de la bataille d'Awatsu. Yoshinaka y est tué, laissant le champ libre à Yoritomo et à ses frères pour détruire les Taira. L'épouse de Yoshinaka, Tomoe Gozen, a participé à la bataille d'Awatsu. Elle est la plus célèbre femme samouraï, connue pour sa force et sa bravoure, et louée dans le dit des Heike,
l'œuvre qui relate la guerre de Genpei. Une fois de plus, la légende a occulté la vérité, et il est difficile de savoir quels furent véritablement ses faits d'armes. Pendant que les Minamoto luttent entre eux, les Taira reconstruisent leurs forces et s'installent près de l'actuel Kobe. Ils y tiennent une position difficilement prenable, située entre mer et montagne. Le 20 mars 1184 débute la bataille d'Ichinotani. Yoshitsune, aidé de son frère Noriyori, sépare son armée et attaque de deux côtés à la fois en même temps. Complètement dépassés par la provenance inattendue des attaques, les Taira sont plongés dans la confusion. Leurs pertes se comptent par milliers, parmi lesquels un grand nombre de membres du clan Taira. Ceux-ci se replient dans la forteresse de Yashima, au nord de l'île de Shikoku. Les Minamoto les y suivent et leur infligent une nouvelle défaite le 22 mars 1185. La légende raconte que l'une des dames Taira, pour narguer les Minamoto, plaça son éventail en haut d'un mât et défia ses ennemis de l'atteindre à l'arc. Le samouraï Nasu no Yoichi s'enfonce alors dans la mer avec son cheval et décoche une flèche qui atteint l'éventail du premier coup. La bataille navale décisive de Dan no Ura le 25 avril 1185 scelle le destin des Taira. Voyant les Minamoto prendre le dessus, un grand nombre de membres du clan Taira préfèrent se suicider en se jetant à la mer plutôt que d'être capturés. Pour la même raison, Antoku, l'enfant empereur alors âgé de 6 ans, est lui aussi précipité dans les flots par un membre de la famille impériale qui se noie avec lui. C'en est fini de cette branche du clan Taira, dont les survivants faits prisonniers sont exécutés. Suite à cela, Minamoto no Yoritomo prend le contrôle du pays et crée le shogunat de Kamakura, préférant rester dans son fief plutôt qu'à Kyoto. Minamoto no Yoshitsune, quant à lui, se voit offrir une place à la cour de l'empereur retiré Go Shirakawa. Il commence, comme c'est l'usage, à distribuer des terres à ses vassaux. Son frère Yoritomo, le nouveau shogun, voit cela comme une violation de ses privilèges et annule tous ses dons. De plus, il s'inquiète de l'influence de Go Shirakawa, qui a déjà prouvé maintes fois sa ruse et sa fourberie. Et si ce dernier utilisait Yoshitsune pour renverser le nouveau régime shogunal? Yoshitsune est donc rappelé à Kamakura pour y être surveillé, mais la confiance entre son frère et lui est brisée. Craignant pour sa vie, il demande à Go Shirakawa d'attaquer le shogunat. Cette aide tardant à venir, Yoshitsune part chercher refuge chez la puissante famille alliée des Fujiwara du Nord, dont le chef de clan est Fujiwara no Yasuhira. La trêve est cependant de courte durée. Cédant à la pression du shogunat de Kamakura, qui avait déclaré Yoshitsune hors la loi, Fujiwara no Yasuhira attaque sa demeure le 15 juin 1189. Ses gardes du corps sont tués, dont le légendaire moine combattant Benkei, et Yoshitsune trouve la mort. On ne sait pas s'il est tué au combat, ou s'il a le temps de faire seppuku. Minamoto no Yoritomo, en déclarant son frère hors la loi alors qu'il se trouve chez les Oshu Fujiwara, cherche à faire d'une pierre deux coups, neutraliser Yoshitsune et s'emparer des terres des Oshu Fujiwara. Comme on pouvait aisément le deviner, une fois la tête de Yoshitsune en sa possession, Yoritomo accuse Fujiwara no Yasuhira de haute trahison, envahit ses terres et le fait tuer, annihilant de ce fait la famille Oshu Fujiwara. Quant à Minamoto no Noriyori, le troisième frère, il refusera de traquer Yoshitsune lorsque Yoritomo le lui demande en premier lieu. En 1193, craignant qu'il ne tente de prendre le contrôle du clan, Yoritomo le fera lui aussi assassiner. La vie mouvementée de Minamoto no Yoshitsune est très vite racontée dans le Dide Heike, chronique poétique de l'époque issue de la tradition orale. Son courage proverbial et sa fin tragique, délivré indirectement par la main de son propre frère, en fait un personnage extrêmement populaire à travers les âges. Les légendes à son sujet sont légion. De nos jours encore, on peut le trouver dans divers livres, pièces de théâtre, mangas ou encore jeux vidéo. Si, plus tard, tout le monde s'accorda à dire que Yoritomo était un être fourbe pour avoir tué son propre frère à des fins purement politiques, les chroniqueurs de l'époque trouvèrent plutôt ce geste raisonnable. En effet, par ses techniques peu conventionnelles et non respectueuses des normes guerrières de l'époque, embuscade, attaque de nuit, charge à revers, c'était plutôt Yoshitsune qui était considéré comme un général perfide. Ceci explique le peu de soutien qu'il reçut lorsqu'il fut traqué, puis tué par son propre frère.